Le vent souffle fort ce soir. Le vent glacial, et je pense aux copains à la ruée. J'espère que quelques-uns ont une bouteille de rouge. C'est quand on est à la rue qu'on remarque que tout est propriété de quelqu'un et qu'il y a des serrures sur tout. C'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. On prend ce qu'on peut, on essaie de garder et d'ajouter notre bien si possible. C'est comme ça qu'une dictature aussi fonctionne. Nous, on se contente d'oublier les nôtres. Dans les deux cas, le vent est fort et glacial. J'enchaînais avec un poème de mon cul. Comme j'ai hier dans le micro-libre d'Auto-TV, j'écris vraiment comme un enfant de maternelle attardé. Donc, j'ai essayé de dire ça comme du monde sans avoir l'air trop bizarre. On fera de moi ce qu'on voudra. On m'exposera à ras les murs pour me scruter, me questionner. Questionner l'indicible de mon corps qui projette une histoire qui n'est pas celle que ses os et son sang ont choisi. On fera de moi un fantasme pour les moments de vide. On voudra que j'ouvre les cuisses ou que je jouisse voûter derrière un dos d'homme. On me respectera aussi. On me prendra doucement, en essayant violent de mes mots, et en glissant sa main là où le mystère a été placé. J'aurais été de toutes les naissances, j'aurais eu mal pour tout le monde, et été heureuse aussi, avant d'avoir mordu le fruit de ma peau. J'existe dans la réalité, je passe à côté de toi, dans l'unité des taxis. Mais je suis aussi la figure principale d'une histoire mythique. Je suis mutante, dirait-on, tout en étant d'une banalité terrible. Je suis vivante dans un siècle où il reste encore quelques heures pour chanter. Merci.